Bah ça y est, tout le monde est prêt. Je vais vous laisser prendre place pour qu'on puisse débuter notre culte. Qu'on puisse se retrouver tous ensemble dans la maison de notre Dieu. Vous êtes heureux d'être dans la maison de Dieu ? Amen. Vous êtes venus ce matin pour le louer et pour l'adorer ? Amen. C'est tout ? Vous êtes venus pour le louer et l'adorer ce matin ? Amen. Ah oui, moi aussi. Hein. Et ce matin, il y avait un chant là. Cette semaine, Sébastien m'a dit, pense quand même à prendre aussi des chants qui sont plus anciens, parce que les nouveaux, c'est bien, mais il y a des anciens aussi qui sont beaux. Je me suis dit, c'est vrai, il a raison. Et forcément, j'avais deux chants sur le cœur, mais le problème, c'est que j'arrivais pas à faire le choix, l'un ou l'autre. Résultat, j'ai pris les deux. Et le chant, c'est un medley, en fait. C'est une compilation des deux chants. Oh, quel beau soleil et gloire à Dieu. Amen, amen. Vous les connaissez, ces chants-là ? Amen. Moi, quand je chante ces chants-là, je sens que ça bouillonne dans mon cœur. Bon, de toute façon, ça bouillonnait déjà dans mon cœur ce matin quand je suis venu. J'avais envie de louer et d'adorer mon Dieu. Je pense que vous aussi. Alors franchement, un chant comme ça, levons-nous et adorons notre Dieu. Parce que dans mon âme, un beau soleil brille. Alors c'est vrai, hein, en ce moment, le temps ne nous permet pas de le dire, que dehors il fait beau, mais ça c'est pas grave. Parce que dans mon cœur, il fait beau. Cette semaine, il a fait beau, c'est vrai. Mais aujourd'hui, voilà. Mais c'est pas grave, peu importe. Le Seigneur, il est dans mon cœur, il est dans ma vie. Et quoi qu'il se passe dans ma vie, le Seigneur veut mettre le soleil dans mon âme. En tout lieu. Ce matin, je suis venu pour louer, pour adorer mon Rédempteur. C'est le chant suivant qui me dit « Mon Rédempteur vit ». Et je sais que Dieu, que Jésus vit. Il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Alors ce matin, mon âme a envie de le louer, envie de l'adorer. Je déborde d'amour pour mon Seigneur ce matin. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert. Yeah.
ce matin. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. 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 Tu prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau. Et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets. Je vois venir ton Oui, ce matin, je veux pouvoir élever, exalter le nom de mon Dieu et pouvoir dire, oui, tu vis, Jésus, tu vis dans ma vie, Seigneur, tu fais quelque chose de nouveau. Mais aussi, Seigneur, tu es mon ancre, tu es ma voile, tu es celui qui est ma force, celui qui me console, celui qui me permet d'avancer malgré la tempête. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Une lampe devant mes pas, ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque soir.
matin, je veux pouvoir me tenir dans ta présence et te dire, Seigneur, oui, tu es mon ancre, tu es ma voile, tu es celui qui est vivant dans ma vie, celui qui change toutes choses, Seigneur. Et je veux pouvoir me tenir dans ta présence et te dire combien je t'aime. Chant suivant nous dit, toi seul es digne, je veux réaliser l'immensité de ta grandeur ce matin. Je veux me trouver dans ta présence, mon Dieu. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnes la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne. Je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Gloire à Dieu, toi Seigneur de l'univers, qui agis dans ma vie. L'éternité, toi seul es digne.
reconnaissance, la louange, l'adoration qui t'est due. Oui, tu as, dans ton amour, eh bien, restauré nos vies. Tu nous as pardonné, sauvé. Tu as pris ce qui était brisé, tu l'as reconstruit. Amen. Merci pour ta bonté, ta bienveillance envers ceux qui ont manifesté la foi. Mais c'est toi-même qui as créé cette foi. Amen. Nous te devons tout, notre Père. C'est toi qui nous a attirés à toi, qui nous a révélés par la croix, par le Saint-Esprit, eh bien, ta bonté envers nous, ton amour, la grâce qui nous était proposée. Mon âme est reconnaissante ce matin. Amen. Elle se réjouit, elle bénit Dieu, elle loue l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui est invisible mais bien réel et qui a été révélé aux hommes dans la personne de Jésus. Amen. Ah, mon âme, oui, te bénit, elle se réjouit Amen. En toi. Amen. Ah, je veux me prosterner devant toi ce matin, Seigneur, je veux t'adorer. C'est ma décision personnelle, Seigneur, c'est vraiment mon expérience. Je veux m'approcher de toi, je veux connaître les profondeurs de Dieu. Je veux être là où le Seigneur veut que je sois. Je veux marcher avec toi en ta compagnie. Merci pour le Saint-Esprit, le Consolateur. Merci pour l'Église que tu prépares pour ton retour glorieux. Merci pour les malades que tu guéris. Merci pour la croix. Merci pour le sang précieux de Jésus. À lui soit toute la gloire. Amen. Oui, je bénis le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Amen. Mon âme, je célèbre. Je te célèbre de tout mon cœur, Seigneur. Amen. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je j'ai trouvé
raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, Seigneur, pour t'adorer, pour te dire combien je t'aime, combien il est bon de se trouver dans ta présence, et que d'élever ma voix, c'est une petite chose par rapport à ce que tu as fait dans ma vie. Tu as donné Jésus, tu as permis qu'il meure à la croix pour racheter mon âme perdue, mais bien plus, Seigneur, tu as permis qu'il soit ressuscité. Il est au-dessus de tout, il est près de toi, Seigneur, il intercède pour moi, Seigneur mon Dieu, il intercède pour chacun d'entre nous. Alors merci mon Dieu, merci mon Jésus pour ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Ce matin, ne nous privons pas de louer, d'adorer, de glorifier notre Dieu. Dieu est appelé le constructeur, le bâtisseur. Il est aussi appelé le réparateur des brèches. Il est celui qui est capable de reconstruire sur un monceau de ruines. Il est celui qui est capable de guérir ce qui est brisé, de le restaurer,
comme un vase brisé, comme un vase abîmé. Il restaure, répare, reconstruit les vies qui sont brisées. Il reconstruit les vies qui sont en ruine. Il reconstruit, il restaure les relations brisées. Il est le Dieu qui bâtit, reconstruit là où il y a des ruines, là où il y a des vases brisés, des cœurs brisés. Dieu en Jésus-Christ est capable de rebâtir, de restaurer, de réparer dans ta vie, toi qui es là ce matin, ce que l'ennemi de ton âme a réussi à briser, ce que l'ennemi de ton âme a réussi à détruire. Eh bien, ce Dieu qui t'aime et qui, avec son amour et par son amour, qu'il est en mesure de te communiquer, eh bien, est capable, oui, de reconstruire, de rebâtir, de réparer, de restaurer des vies, des relations brisées. Là où il y a des monceaux de ruines, la toute-puissance de Dieu dans la foi en Christ est capable de rebâtir et de reconstruire quelque chose dans lequel il vient établir, manifester sa présence avec tout ce qu'elle apporte, joie, paix, bonté, bienveillance, transformation, changement, assurance. C'est ce dont tu as besoin, toi qui es là ce matin et qui a besoin d'être réparé, restauré. Toi qui es comme brisé, Dieu veut, oui, réparer, restaurer. Tel un potier, il veut œuvrer, travailler dans ta vie. Et il veut, dans ce vase qu'il fera de toi, eh bien, y manifester, y établir sa présence. Ne cherche pas de droite et de gauche. Tant que tu ne seras pas restauré, tant que tu ne seras pas reconstruit, tant que tu ne seras pas, eh bien, réparé, tous ceux vers quoi tu te tourneras seront comme des sources qui, eh bien, finalement, ne te désaltéreront pas, ne rempliront pas ta vie. Oui, c'est de ce dont tu as besoin, de ce Dieu qui rebâtit, reconstruit, répare, restaure les vies et les relations. C'est vrai, Seigneur, merci pour ce que tu as fait ce matin. Merci parce que tu as encore des choses à poursuivre dans notre vie. Et c'est vrai, Seigneur, que tu es le bâtisseur dans nos vies, Seigneur. Tu es celui qui reconstruit ce qui a été détruit. Seigneur, nous voulons compter sur toi, Seigneur. Nous voulons savoir que tu es au contrôle de toute notre vie, Seigneur, et que tu cherches vraiment, Seigneur, à nous mener, Seigneur, vers de bons pâturages, Seigneur, vers nous mener vers quelque chose de meilleur, Seigneur, quelque chose de bon pour nos vies, Seigneur. Alors nous voulons tout laisser entre tes mains et te faire complètement confiance. Merci pour ce que tu fais. Sois loué, sois béni. Amen. Je vais laisser la place. Merci aux musiciens. Avant de laisser la place à Victor, j'aimerais qu'on puisse tout simplement prier pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu dans leur santé, et santé physique, mais aussi santé peut-être aussi morale et intérieure. D'accord ? Donc on va prier pour le pasteur Michel Milia, hein, qui a été, oui, on dit comme ça, je pense, victime d'un AVC, qui est hospitalisé. On va prier pour lui. On va prier pour Sacha aussi. On va prier pour nos sœurs qui sont atteintes dans leur santé, Pierrette, Ratel et aussi Jeanne-Marie Vieux-Bled. Voilà. On va prier aussi pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu dans leur santé aussi intérieure, leur santé émotionnelle. D'accord ? On va invoquer tous ensemble la grâce de Dieu. Je vous invite à vous joindre à moi. Vous pouvez vous lever à votre place. Et d'une même voix, nous voulons prier. Notre Père, c'est vers toi que nous tournons nos regards. Nous sommes exhortés par ta parole à prier les uns pour les autres. Et c'est ce que nous voulons faire dès maintenant, prier.
intercéder auprès de toi, invoquer ta grâce sur la vie de nos frères et sœurs dans la foi qui en ont besoin tous ensemble et d'une même voix. Nous prions pour que, eh bien, tu fasses grâce à notre frère Michel, Amen. Afin qu'il soit puissamment relevé dans sa santé. Nous te prions pour Sacha, Seigneur, pour ses parents. Nous te prions pour les besoins du corps, mais aussi les besoins spirituels. Nous te prions pour les besoins de l'âme. Nous te prions pour Magali, qui est là au milieu de nous ce matin, afin que tu lui fasses du bien dans son cœur. Nous prions tous ceux et celles qui peut-être passent par un temps de découragement, un temps où les forces leur manquent. Eh bien, tu en as donné de nouvelles au prophète Élie. Tu l'as renouvelé dans ses forces intérieures. Père, nous invoquons ta grâce sur tous ces bien-aimés, afin que tu les bénisses et que tu leur fasses du bien. Tu es celui qui secourt au temps favorable, au moment opportun. Tu es celui qui donne des forces nouvelles. Tu es celui qui sauve, qui secourt dans ta grâce et dans ton amour. Bénis chacun à l'écoute de ta parole. Bénis Victor qui l'apportera. Qu'il y ait des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Toi qui connais les cœurs, toi qui es prompt à encourager, à bénir, à parler, à diriger, à conduire et à reprendre même dans ton amour. Eh bien, fais-le librement dans nos cœurs et dans nos vies, au moyen de ta parole ce matin. Au nom précieux et puissant, glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je laisse la place à Victor ce matin. Je suis en repos. Voilà, c'est un rendez-vous que Dieu nous donne. Un rendez-vous d'amour. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez fiancés? Hein, vous n'auriez pas manqué un rendez-vous. Vous n'auriez pas voulu attrister votre fiancé. Moi, il m'est arrivé, parfois je lui disais, jeudi soir je viendrai, mais je ne pouvais pas, mon chef ne me lâchait pas. Alors la pauvre, elle attendait, et puis il n'y avait pas cette communication qu'il y a maintenant. Alors, j'ai donné un titre à notre méditation ce matin pour notre culte. Dieu contrôle tout. Dieu n'est pas absent. Dieu contrôle tout. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Comment aimes-tu le Seigneur? Est-ce que tu marches avec Jésus? Est-ce que tu accomplis ce qu'il te demande? Parce que là, c'est très important. Dieu contrôle tout. Il est le souverain. Rien ne lui échappe. Nous, parfois, nous ne voyons rien. Mon épouse, parfois, me dit, mais tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Même alors, étant admis, tu ne vois rien. Hein? Mais le Seigneur, lui, il voit tout. Il entend tout. Et il est prêt à intervenir dans notre vie. Que Dieu soit béni. Alors, je vous convie ce matin à lire dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et ensemble, nous allons découvrir quelques exemples où là, Dieu contrôle tout. Alors, je vais vous donner le chapitre quand même. Philippiens, chapitre 1er, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis
dans les liens, ont plus d'assurance, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Paul s'adresse aux chrétiens de Philippe. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la ville de Philippe? C'est là où l'évangile a été prêché pour la première fois en Europe. Nous le savons. Et Paul en est le fondateur. Et nous pouvons dire que cela a été très difficile. Mais nous connaissons l'apôtre Paul. C'est un homme de Dieu. Il marche avec Dieu. Il écoute la voix de Dieu. Et ça, c'est important d'écouter la voix du Seigneur. Est-ce que je dois le dire? Parfois, il y a des chrétiens qui n'écoutent pas la voix de Jésus. Ils n'écoutent pas Jésus. Mais je sais une chose, c'est que l'apôtre Paul, lors de son appel, Dieu lui avait dit, « Eh bien, tu prêcheras, tu annonceras l'évangile aux rois, aux nations, et tu seras un véritable instrument entre mes mains. » Et étant parti de l'église d'Antioche, selon Actes 13, l'Écriture nous dit que le Saint-Esprit a dit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Ce n'est pas le mensonge. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et il nous est dit, Paul, envoyé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit une chose, et Paul est envoyé par le Saint-Esprit. Et si je poursuis Acte 16, il nous est dit simplement qu'à un moment donné, le Saint-Esprit dit non à Paul. Le Saint-Esprit dit non. Parfois, Dieu dit non. Ce que tu fais n'est pas bien. Dans la direction où tu es, ce n'est pas bien. Dieu ne t'approuve pas. Dieu ne veut pas que tu prennes ce chemin. Et Dieu a dit à Paul, non, ne va pas dans cette direction. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et puis ensuite, Dieu va envoyer une vision à l'apôtre Paul. Un Macédonien va lui apparaître. Et ce Macédonien, c'est une prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont besoin de secours aujourd'hui. Nous vivons des temps difficiles et nous avons besoin du secours de Dieu. D'où me viendra le secours? Eh bien, le secours me vient de l'Éternel. Tu as besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie. Tu as besoin que la main de Dieu vienne dans ta vie. Tu as besoin de voir la grandeur de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Passe en Macédoine et secours-nous. Et aussitôt, Paul va s'empresser de passer en Macédoine et plus particulièrement à Philippe. Et il va y avoir la conversion de Lydie, marchande de pourpre. Il va y avoir la conversion du geôlier, de sa famille. Un point d'évangélisation est fait. Lydie ouvre sa maison et la prédication de la croix, la prédication de l'évangile, elle est annoncée. Et des âmes vont passer des ténèbres à l'admirable lumière. Alors j'en arrive maintenant à notre lecture. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Vous savez, dans une vie, il nous en arrive des choses. Vous l'avez remarqué, mes frères et sœurs? Il nous en arrive des choses. Ce qui m'est arrivé. Vous savez, je vais prendre l'exemple de deux personnes qui se rencontrent. L'une d'elles va dire subitement à l'autre, « Oh, si tu savais ce qui m'est arrivé !» Alors l'autre personne lui dit, « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et cette personne va raconter ce qui lui est arrivé. Alors je voudrais centrer la méditation ce matin sur ce qui peut nous arriver, ce qui m'arrive. C'est vrai, parfois c'est un choc, parfois c'est une surprise. On ne s'y attendait nullement,
Et même certains m'ont dit, heureusement quand j'ai appris cette nouvelle, heureusement que j'étais assis, parce que sinon je serais tombé. L'apôtre dit ce qui m'est arrivé. Vous savez ce qui peut m'arriver? Les choses qui peuvent m'arriver peuvent très bien m'éloigner de Dieu. Il t'est peut-être arrivé quelque chose et depuis, bien, tu es loin de Dieu. Il y a moins de foi, il y a moins de prière, il y a moins de consécration, il y a moins d'obéissance. Et pourtant, Dieu contrôle tout. Vous connaissez Gédéon? Lorsque Dieu va lui parler, il va lui dire vaillant héros. Et non pas vaillant zéro. Hein? Vaillant héros. Et tout de suite, Gédéon va discuter avec Dieu et il va dire à Dieu, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi? Il y a ce mot très important. Pourquoi ces choses, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Parfois on s'interroge, mais pourquoi? Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi? Pourquoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tout de suite, je pourrais dire ce qui est arrivé à Jésus, m'introduit maintenant dans la présence de Dieu à cause de l'œuvre de la croix, du sacrifice de Jésus. Jésus est la rançon, Jésus a payé le prix, il m'a sauvé. Et comme dira Paul au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pour poursuivre avec Gédéon, il dit, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. C'est souvent notre réaction. Les choses qui nous arrivent, ah ben Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous demeurons en lui et nous lui faisons entièrement confiance. Et voici que l'ange de l'Éternel va dire à Gédéon, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et puis il est précisé, mais je serai avec toi. Amen. Parfois on se croit seul, mais Dieu est là. Et même au verset 23 de ce chapitre, il nous a dit, sois en paix et ne crains point. Ce qui m'est arrivé, Paul le met en évidence, hein, nous l'avons lu, je veux, frère, que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ah, je voudrais vous parler du fils prodigue. Parce que lui, il va lui en arriver. Vous connaissez, dans Luc 15, je m'adresse à des chrétiens, vous connaissez bien cette parabole de ce père qui avait deux fils. Et puis voilà que l'un d'eux dit maintenant, père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Il réclame le bien. Et la Bible nous dit qu'il partit pour le pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et il est parti. Il est parti. Le père n'essaie pas de le retenir. Il est vrai que ce que je vais vous dire, ça m'attriste un petit peu. Un dimanche matin, ce n'est pas moi, mais c'est mon épouse. Elle dit à notre fils Cédric, alors tu viens au culte ce matin? Lui, il n'avait pas l'air décidé de venir au culte, mais pas du tout. Alors, ce fils, il dit à sa mère, écoute, maman, moi je veux bien y aller au culte, mais j'y vais pour te faire plaisir à toi. Mais sinon, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Alors, qu'auriez-vous fait? Allez, j'ouvre une petite parenthèse. Qu'auriez-vous fait? Quelqu'un qui n'a pas envie de venir au culte, qui veut
venir pour nous faire plaisir? Je vais vous donner la réponse. Vous me jugerez. Enfin, moi, je n'étais pas là, mais vous jugerez mon épouse et vous direz, moi, c'est une mauvaise mère. Bon, ben ça, vous savez, elle l'a déjà entendu dire. Elle l'a déjà entendu. Hein? Mais moi, je crois qu'elle a bien répondu. Écoute, si tu veux venir au culte pour me faire plaisir, eh bien, reste à dormir. Lui, il était content. Hein? Mais c'est vrai qu'il y a une note qui est triste. Et depuis l'âge de 20 ans, à 20 ans, il a quitté l'église. Et pourtant, il jouait du saxo à merveille. Il louait le Seigneur. Et puis, il est parti. Mais aujourd'hui, il est dans les mains du Seigneur. Et ça fait 25 ans qu'il est parti. Notre relation avec lui est bonne. Quand je vais chez lui pour manger, il me dit, papa, tu fais la prière avant de manger. Ah, il y a quelque chose qui est resté quand même. Il y a quelque chose qui est resté. Oui, le Seigneur est là. Alors je reviens au fils prodigue, je voudrais aller très vite parce que je crois que je ne vais pas pouvoir tout vous dire, mais ça ne fait rien. Je vais vous dire le principal. Et à un moment donné, ce fils prodigue, il est parti. Mais il n'avait pas prévu la famine. Une famine arriva et il se trouva dans le besoin. Et lui qui voulait réussir sa vie, il est en train de garder les cochons. Et même, il n'avait même pas de quoi manger. Alors il va rentrer en lui-même. La Bible nous le dit, étant rentré en lui-même, il dit, maintenant il est convaincu, la conviction de péché. C'est vrai qu'il faisait tout, pour, non pas par obligation, mais maintenant, il entre en lui-même. Il analyse. Où en es-tu avec Dieu? Où es-tu? Comme Dieu a cherché Adam dans le jardin d'Éden. Où es-tu, Adam? Où es-tu? Dieu te cherche ce matin. Il veut te bénir. Il veut que tu changes de vie. Il veut vraiment te bénir parce qu'il t'aime. Et il crie vers Dieu. Parce qu'il crie vers son Père. Il est convaincu et il va dire, j'ai péché. Vous savez, on met toujours la faute chez les autres. Combien de fois j'ai entendu, je quitte l'église à cause de cette famille, d'un tel, et puis maintenant il y a tellement de choses. Mais dire, j'ai péché. C'est moi qui ai péché. Et puis nous savons comment le Père va accueillir son fils. Béni soit le Seigneur. Alors je passe très vite sur le fils prodigue. Et tout de suite, je voudrais vous dire, mon frère, ma sœur, pourquoi ces choses nous arrivent. Alors, je voudrais voir avec vous la volonté de Dieu d'abord. La volonté. Est-ce que tu es prêt à faire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. Ensuite, la permission de Dieu. Dieu permet certaines choses. Peut-être Dieu permet que je morde la poussière tout de suite. Mais il a un but, il va me restaurer, il l'a fait pour Job. Job était ruiné, il n'y avait plus rien, mais Dieu va le surélever en quelque sorte, il va le bénir doublement. Ensuite, il y a la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Est-ce que vous le réalisez, mon frère, ma sœur? Dieu est fidèle. Moi, que d'infidélité il y a dans ma vie, que d'infidélité. Et puis il y a aussi, je voudrais le mettre en valeur, il y a ses promesses et sa parole. Et déjà là, quand j'en arriverai à la fin, je pense que ça sera pas mal. Non? Vous ne voulez pas répondre. Hein? Alors voyez-vous, mon frère, ma sœur, le livre des Lamentations nous dit, mais qui dira qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Je dirais, rien ne nous arrive sans que Dieu le permette. Et nous avons l'histoire de Job. Job, pardon, le diable dira à Dieu, mais tu l'as protégé, tu l'as béni, mais retire ta main. Et tu vas voir, il va te maudire en face. Et nous savons que Job va tenir bon. Amen.
Tiens bon, mon frère, ma sœur. Ne lâche pas la main du Seigneur. Dieu est avec toi, il l'a dit à Gédéon. Mais je serai avec toi. Tu battras Madian. Dieu nous donne des signes de victoire. La croix a été dressée. La croix a été dressée pour moi, pour faire de moi un vainqueur. Alléluia, que Dieu soit béni. Quelques mots sur la volonté de Dieu. Quand je lis l'épître de Paul aux Philippiens, et je vous invite à lire l'épître de Paul aux Philippiens, non, aux Éphésiens, pardon. Aux Éphésiens, de nombreuses fois, il y a le mot volonté de Dieu. Il nous est parlé du bon plaisir de la volonté de Dieu. Mais aussi, et ça me frappe davantage, le mystère de la volonté de Dieu. C'est vrai que parfois c'est un mystère devant nous, mais bien sûr au travers de Jésus-Christ, nous avons le chemin, nous avons la révélation, et nous bénissons son Saint-Nom. Mais parfois, la volonté de Dieu, elle est très loin, et nous voudrions tellement être dans la volonté de Dieu, dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons faire cette volonté de Dieu. Béni soit le Seigneur. Mais également, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il nous dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça, c'est dur à avaler. Parfois, comprendre la volonté de Dieu. C'est vrai qu'il y a une grande distance entre ma volonté et celle de Dieu. C'est vrai que je veux entrer dans la volonté de Dieu. Et je désire faire la volonté du Seigneur. Et toujours dans l'épître aux Éphésiens, il nous est parlé faire de bon cœur la volonté de Dieu. Est-ce que tu fais de bon cœur? Vous savez, quand le cœur est absent, ça ne sert à rien. C'est de tout cœur. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Alléluia, que Dieu soit béni. Maintenant, je voudrais passer à la permission de Dieu. Il lui a permis, Dieu le permet. Mais il a dit, je serai avec vous tous les jours. Dans les bons, comme dans les mauvais jours. Et dans la vie, parfois, il y en a des mauvais jours. Il y en a des mauvais jours. Mais le Seigneur a promis son assistance. Il a promis sa direction. Que Dieu soit béni. Nous connaissons Job. C'était un homme extraordinaire. Quel témoignage extraordinaire. Si je regarde ce que me dit l'Écriture, il était intègre. Il était droit. Il craignait Dieu. Et il se détournait du mal. Quatre grandes qualités. Et voici que le diable a remarqué. Mais lui aussi, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et pourtant, Dieu voulait encore qu'il progresse. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu désire que tu progresses. Que tu progresses dans le témoignage, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Je crois que chaque année doit nous permettre de progresser dans notre vie chrétienne. Quiconque n'avance, si quelqu'un n'avance pas, il recule. Je dois avancer. Pierre va entendre la voix de Jésus. Avance en pleno, avance dans les profondeurs de Dieu. Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Et nous connaissons Job. Job, il nous laisse une parole excellente. Dieu a repris, ou Dieu a donné, Dieu a repris. Mais que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous savons que Job ne va attribuer rien d'injuste à Dieu. Rien d'injuste. Ce qui nous arrive parfois, on dit, mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Eh bien, Job, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et nous savons que vers la fin de sa vie, Dieu va lui redonner au double. C'est le chapitre 42 qui nous dit, « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues. »
Alors nous avons vu ensemble la volonté de Dieu. Ce qui m'est arrivé, j'inclus la volonté de Dieu. J'inclus la permission de Dieu. Dieu le permet. Vous savez, quand je regarde Paul lors de son naufrage, Dieu l'avait averti et Paul avertissait, surtout ne partons pas. Mais les hommes m'ont dit, sans tenir compte, on ne tient pas compte de ce que Dieu dit. Mon frère, ma sœur, ce matin, tiens compte de ce que Dieu te dit. Dieu te parle. Dieu veut qu'il y ait un changement dans ta vie. Dieu veut te bénir de toutes sortes de bénédictions. Et Paul a parlé au centenier. Dieu a parlé aux responsables du navire, mais ils n'ont tenu aucun compte. Et ils sont partis. Ils sont partis. Et bien vite, ils n'ont pas maîtrisé. Ils étaient en pleine tempête. Et peut-être tu es en pleine tempête ce matin. Et Dieu a parlé, mais tu n'as pas tenu compte. Et puis l'apôtre va dire, mais maintenant, j'ai cette confiance qu'il en sera comme il m'a été dit. Un ange m'a parlé. Et tous ceux qui étaient sur le bateau, je crois qu'ils étaient 276, ils sont arrivés sur le rivage, sains et saufs. Oui, les promesses de Dieu sont oui et amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, je voudrais aborder la fidélité de Dieu. Parce que dans tout ce qui nous arrive, moi, j'aime ce cantique, je le cite souvent. Hein. Quel ami, quel ami. Moi, je connais une famille. Ce qui compte, c'est les amis. La famille, ça ne compte pas. Sur leur façon de voir les choses, enfin, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut d'abord s'occuper de sa famille. Les amis, vous savez... Les amis, le fils prodigue, il avait beaucoup d'amis. Hein. Il a dû en rincer, passez-moi l'expression, plus d'un. Mais à lui, après, quand il est dans le besoin, plus personne. Plus personne. Le meilleur des amis, c'est le Seigneur Jésus. Alors, la fidélité de Dieu. Oh, on pourrait lire dans le livre des Lamentations. Hein, Lamentation de Jérémie, au chapitre 3. Je crois qu'il serait bon, au lieu que je vous les cite, au chapitre 3 et au verset 19. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison. Il y a là quatre choses, mais enfin, on s'y arrêtera une autre fois. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Oh, que ta fidélité est grande. Vous connaissez la parabole des talents. L'un va recevoir 5 talents selon sa capacité, l'autre 2 et l'autre 1, il va aller l'enterrer. Mais ceux qui vont produire, il leur sera dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est bien, bon, 3 caractéristiques qui nous montrent de quelle manière ils ont travaillé. Et nous sommes appelés à travailler dans la fidélité de Dieu. Je vais vous le citer, le psaume 36 nous dit au verset 6, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. »
J'aimerais aussi que nous lisions ensemble dans 1 Corinthiens 10-13, parce que c'est important de s'appuyer sur la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10-13. Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle. Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle ? Il faut le croire. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Oui, il y a la fidélité de Dieu. Et à nouveau, je voudrais citer ce texte parce que c'est très important. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors, ce qui m'est arrivé, il y a la volonté de Dieu, je le répète, il y a la permission de Dieu. Vous me direz, mais pourquoi Dieu permet cela ? Dieu veut que je grandisse. Dieu ne veut pas que je reste toujours au même niveau. Dieu veut me voir grandir. Comme David, il grandissait devant Dieu. Il grandissait. Nous sommes appelés à porter du fruit à la gloire de son nom. Et puis la quatrième chose que je voudrais voir avec vous, je l'ai intitulée « Sa parole et ses promesses ». Quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit « tes descendants, ils seront prisonniers dans un pays étranger ». Mais après 4 siècles, ils sortiront. Vous savez, c'est vrai que pour nous, on n'aime pas le temps. Quand on prie, on voudrait être exaucé maintenant. Mais parfois, il y a un temps. Je vous l'ai dit, mais je vous le répète, je suis le fruit de la prière. Ma famille est le fruit de la prière d'un grand-oncle et d'une grande-tante qui habitaient le Havre, qui ont connu le réveil du Havre. Et je peux vous dire que c'était des chrétiens authentiques. Ils ont vu combien de fois ils me racontaient. Maintenant, bien sûr, ils sont dans la gloire. Mais ils disaient, ils voyaient la puissance de Dieu se manifester. La main de Dieu était là. Ils voyaient des choses extraordinaires. Et la parole de Dieu était confirmée. Et ils ont prié de 1930 à 1960, 30 ans. Regardons Anne qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y avait même de l'amertume dans l'âme. Mais un jour, elle va recevoir l'exaucement. J'allais dire, ne t'affole pas. Mais aie confiance dans le Seigneur. Anne, quelle femme de prière. Et un jour, elle va recevoir une parole de Dieu. L'exaucement de sa prière. Et je crois que Dieu est celui qui bénit d'une manière précise. Les promesses de Dieu. Joseph, je vais simplement l'effleurer. Dans le psaume 105, allez, on va le lire et puis je vais bientôt m'arrêter. Psaume 105, verset 17. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer. On pourrait dire, mais tout ce qui lui arrive, mais c'est pas normal. On continue. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. On continue. Le roi fit ôter ses liens
le dominateur des peuples le délivra, il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Amen. Dieu est capable, il change les temps et les circonstances. Que Dieu soit béni. Et si je poursuis l'histoire de Joseph, lorsqu'il s'adressera à ses frères, il leur dira : ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. On pourrait dire : ce sont ses frères. Non, c'est Dieu, la main de Dieu conduisait les choses. Et même lui, il dira dans Genèse 50, vous aviez médité de me faire du mal, eh bien Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Oui, Dieu est le Dieu qui est fidèle. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Dieu veut te restaurer. S'il y a eu une brèche, eh bien, Dieu est conscient de cela. Il veut réparer la brèche parce que son amour est toujours là. Et il ne change pas. Que Dieu soit béni. J'aimerais maintenant conclure avec quatre mots que je vais quand même prolonger un petit peu. À moins que vous soyez fatigué de m'entendre, bon, ben, ça peut arriver. Hein. L'apôtre nous donne son expérience. Je veux que vous sachiez. Et nous aussi, on a notre expérience. Je veux que vous sachiez que l'épreuve qui m'est arrivée a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il faut que Jésus-Christ se forme en nous. Il faut qu'il se forme en nous. Et parfois, il nous émonde. Dans Jean 15, Sébastien en a parlé tout dernièrement. Afin que nous portions plus de fruits. Quand je lis l'histoire d'Abraham, dans Genèse 22, il nous dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'avait déjà mis, mais il voulait arriver au summum. Dieu veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Alors, Paul, son expérience, mais c'est aussi son témoignage. Je veux que vous sachiez. Peut-être on dirait, oh, Paul, il en a ramassé des coups. Il en a ramassé des coups. Mais il est sorti vainqueur. À Philippe, même quand il s'est retrouvé en prison, tous ses vêtements étaient couverts de sang. Il avait été fouetté, battu. Mais il priait et il chantait les louanges du Seigneur. Comme Daniel qui priait, il priait malgré le décret de Darius. Et trois fois le jour, il priait, trois fois le jour, il louait le Seigneur. Et Paul nous rend son témoignage, un témoignage de bénédiction. La troisième chose, c'est l'assurance. Dieu veut que nous soyons rempli d'assurance. Est-ce que nous le sommes ? Rempli d'assurance. J'ai l'assurance que plus rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés. Oui, Jésus avait placé dans leur cœur quelque chose de formidable. Béni soit le Seigneur. Et puis la dernière chose, c'est l'encouragement. Paul voulait encourager les Philippiens. Dieu veut t'encourager ce matin. Ne lâche pas la main du Seigneur. Il est là avec toi, je le répète maintenant pour la troisième fois, il est avec Gédéon. Je serai avec toi. Le Seigneur l'a promis. Quel encouragement. Et ma petite conclusion maintenant. Hein ? Le psaume 56, verset 10. Allez, on va le lire ensemble. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 mots, mais c'est un encouragement. Psaume 56, verset 10. La dernière partie. Enfin, on peut lire. Mes ennemis reculent au jour où je crie.
qu'est-ce que tu vas crier ? Je sais que Dieu est pour moi. Vous savez, il faut cette assurance. Si je dis, mais non, je ne sais pas, Dieu m'a abandonné. Non, nous gardons cette pensée. Je sais que Dieu est pour moi. Et nous le réalisons de tout notre cœur. Alors, mon frère, ma sœur, nous avons partagé ensemble quelques pensées sur l'apôtre Paul lorsqu'il dira « Ce qui m'est arrivé. » Ce qui m'est arrivé. Il t'arrive des choses. Mais le Seigneur, il est branché. Il est au courant. Il est près de toi. Il t'entoure et il veut te fortifier. Puisqu'il m'aime, eh bien, je le délivrerai. Alors à Dieu soit toute la gloire. On prie ensemble le Seigneur, on incline nos cœurs dans sa présence et on veut lui faire entièrement confiance. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir de tout mon cœur. Seigneur, tu es là, tu es présent. Souvent je le dis dans ce psaume 73, cependant je suis toujours avec toi. Oui Seigneur, tu es toujours là et tu es pour moi. Seigneur, tu n'es pas contre moi, mais tu es pour moi et tu veux m'aider. Tu veux m'aider à grandir dans tes voies. Tu veux m'aider à te faire confiance. Tu veux m'aider, Seigneur, à aller plus loin avec toi. Oh Seigneur, bénis mon frère et ma sœur ce matin qui traversent peut-être des moments de difficulté, de solitude. Seigneur, viens des moments de détresse. Eh bien, viens, Seigneur, viens secourir, viens bénir. Nous nous attendons à toi et nous réalisons que rien n'est impossible à Dieu, alors que le nom de Jésus soit béni en toute éternité. Amen. Amen. Voilà, merci à Victor pour ce message édifiant. On va juste terminer par quelques annonces. Voilà, si vous êtes nouveau au milieu de nous ce matin, soyez les bienvenus. Voilà. Et si vous souhaitez recevoir les annonces concernant notre église, son programme, n'hésitez pas à laisser votre mail à l'accueil en sortant. Voilà, je vous rappelle que pour les offrandes, vous avez les trompes qui sont à votre disposition. Alors, bien sûr, je répète, parce que des fois, je ne l'ai pas entendu, bien entendu, de quelqu'un, mais des fois, les gens pensent qu'ils sont obligés. Personne n'est obligé en quoi que ce soit. Je crois qu'il y a certaines choses qui sont enseignées par l'Écriture, mais personne, bien entendu, n'est forcé en quoi que ce soit concernant l'offrande. L'essentiel est de donner comme on l'a résolu dans son cœur, comme on l'a décidé, et avec joie, voilà. Et à Dieu surtout, prendre conscience que c'est au Seigneur que nous donnons. Voilà, le programme il est le même que les semaines précédentes. Voilà, le mardi matin à 8h45 nous avons une réunion de prière ici en présentiel à laquelle je vous encourage bien à participer. Nous sommes nombreux le mardi matin, aux alentours de 35-40, voilà 35 plutôt. Mais je vous encourage à nous rejoindre. Voilà. Et le mardi soir, c'est en Zoom, avec l'application Zoom, ainsi que le vendredi soir. Voilà. Et nous voyons, moi je crois que, comme le disait Victor, souvent on voudrait être exaucé tout de suite. Il y a des choses qui font partie de la volonté de Dieu, qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais nous avons quand même quelques signes d'encouragement, notamment concernant la petite Christiana, voilà, quand la maman m'a dit ça. Vous avouerez que j'étais vraiment heureux, voilà, et très content. Voilà, c'est au bout de 2 mois que son bras s'est remis à fonctionner, alors que les médecins avaient dit qu'au bout d'un mois, si ce délai était passé, eh bien, il y avait peu d'espoir que son bras retrouve de la motricité. Donc c'est encourageant, et il y a d'autres motifs d'être encouragé. Voilà. Et puis, je vous rappelle que l'Assemblée Générale aura lieu le 20, je termine par cette annonce, le samedi 20. Pourquoi un samedi et pas un dimanche? Parce que je préfère qu'on laisse la place à la partie spirituelle. Quand l'Assemblée Générale est mêlée au culte, généralement on essaye de faire vite pour la partie spirituelle, pour donner la place à l'Assemblée Générale. Et je préfère que vraiment il y ait, encore une fois, la place qui soit donnée à la partie spirituelle. Si vous n'êtes pas membre de l'Église et que vous souhaitez devenir membre, vous nous le faites savoir, s'il vous plaît.
Je rappelle qu'il faut être baptisé par immersion, ça fait partie tout simplement de la confession de foi, enfin des statuts plutôt, que de la confession de foi. Voilà, c'est pas qu'on rejette les personnes, mais c'est en harmonie avec ce que nous croyons. Pour être membre administrativement de l'Église, eh bien, il faut être baptisé par immersion. On vous donne les statuts, une demande d'adhésion, vous la remplissez, et bien sûr, vous êtes considéré comme membre. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à chacun. Merci de rester. Oui. Pour l'Assemblée Générale? Non. Pour l'instant, non. On avisera si c'est nécessaire, mais pour l'instant, non. Vous venez librement. Voilà. Mais je dois en discuter de ça. Voilà. C'est difficile de faire une Assemblée Générale avec deux cultes, en fait. Voilà. Donc, je me dis que sur un élément qui n'est pas spirituel, c'est juste une réunion. On avisera pour une fois, mais il faut qu'on la fasse, cette Assemblée Générale, parce qu'elle a déjà été reportée deux fois à cause du fait qu'elle soit tombée à chaque fois dans des dates qui correspondaient aux deux confinements qu'on a connus en mars et en novembre. Voilà. Et il faut absolument qu'on la fasse, parce que notre sœur Colette, par exemple, Arfeuille, qui était fatiguée a souhaité arrêter parce qu'elle n'arrivait pas à aller jusqu'au bout. Donc il faut qu'on remplace les membres sortants du conseil d'administration. Voilà, il faut qu'on la fasse. Donc peut-être ce sera dans des conditions peut-être un peu différentes des cultes, mais il faut qu'on arrive à la faire. Si on peut arriver à 75 et avec des procurations, finalement on arrive au quorum, et donc c'est possible, on reste dans les conditions actuelles, quoi, en fait. Voilà. Ce serait ça l'idéal. J'ai fini, excellent dimanche à vous, que Dieu vous bénisse et bonne journée.